Bon, on est fatigué. Premier jour, la nuit a été dure, mais on s'est tapé une tempête, du vent, de la pluie, la tente a bougé dans tous les sens. Mais bon, on C'est s'est vrai. réveillé et on va aller Travailler. travailler pour la première fois et on va voir comment ça se passe. On espère que ça se passe bien. Ouais, parce qu'on est là pour 2 mois, hein, donc ça a intérêt à être Bien se cool. passer. À bien se passer, exactement. Bon, on se retrouve tout à l'heure. Ouais. On se retrouve, bon cette fois-ci je suis seul. C'est Marion a dû rester au restaurant parce que elle finira à 16h30 et moi il faudra que. Enfin 18h30 et moi je ferai le service de nuit, donc 18h30, 21h. Là on n'a toujours pas mangé, Marion n'a toujours pas mangé, moi là je vais manger mais elle mangera vers 18h30 alors qu'elle n'a pas mangé à midi. Bon voilà. Il nous a passé une carte pour le parking, ça c'est hyper gentil. Donc voilà. Bon ça y est, j'ai rangé la tente. Là, je vais travailler. Je vais prendre le relais à Marion. Il fait une chaleur pas possible dans la tente. Il y a des bestioles bizarres. Mais bon, c'est pas grave. Là, on va aller travailler jusqu'à 21h, je crois. Puis après, on est calé et on n'a plus rien à faire. Allez, à tout à l'heure. Voilà, je viens de rentrer. Ça fait 9 heures que j'ai pas mangé. J'ai très mal dormi cette nuit à cause du vent. Donc, je suis sur les nerfs. Donc, clairement, là, j'en peux plus. Je vais aller manger, je vais aller me baigner parce que depuis 10 heures du matin jusqu'à 18h30, j'étais debout. Et voilà, donc Brandon, là, il est parti. Lui en formation. Il a eu une pause de 15h30, 16h jusqu'à 18h30 et là il finit à 21h. Donc je vais aller manger et je vais l'attendre. Voilà. Ça y est, boulot fini, enfin. À 21h, elle m'a demandé, femme de la patronne, de tout ranger. Du coup, là, je finis à peine à maintenant, c'est-à-dire à 21h20, 20 minutes après. Là, je vais rejoindre Marion au camping, et puis voilà, fin de la journée. Demain, on repart pour 6h du boulot, ça devrait le faire. Oui, le camping. Ça, c'est un bébé frigo. C'est trop stylé. Et ça, c'est la bouilloire pour faire les nouilles. Voilà, petit repas de fortune à 22h30. On se met bien. On se met bien. Il nous manque juste un peu de la lumière. On en achète demain. Ouais, voilà. Et aussi, il va sûrement pleuvoir, du coup, on a encore tout ramené à l'intérieur. Vive la Suisse! Vive la Suisse! Suisse, deuxième jour de travail. Donc là, Brandon, il fait 11h, 16h. Et moi, je fais 16h, 21h. Donc là, il est déjà parti. Je l'ai accompagné parce qu'il fallait qu'on trouve comment on allait à pied du camping jusqu'au lieu de travail. Et là, du coup, je rentre. Ce que je vais faire, c'est que bah, je vais faire toute la vaisselle. Et après, du coup, j'ai 5 heures à m'occuper. Donc voilà, je vais lire, je vais faire ma life, quoi. Faire un petit tour de comment on est installé. Donc là, on a une table que le grand-père de Brandon nous a gentiment prêtée. Là, bon, on fait sécher nos serviettes et notre truc ici.
l'intérieur de la tente. Donc là, ici, le soir, on met la table, parce qu'on a la place. Ensuite, ici, c'est... Ici, on a notre chambre, qu'on n'ouvre jamais de peur qu'il y ait des araignées ou des bébêtes qui rentrent. Et ici, c'est en gros, c'est le garde-manger. Là, on a tout ce qu'on a pour 2 mois. Ensuite, c'est nos affaires de toilette. Et là, on a toutes nos fringues. Par contre, je suis trop dégoûtée. J'ai perdu mes lunettes de soleil et je suis obligée de mettre ces vieux trucs dégueulasses que j'ai trouvés à Luna Park. C'est ignoble, mais si je les mets pas, mes yeux meurent en fait. Ça y est, il est bientôt 16h. Je vais aller travailler. Brandon va du coup avoir fini. Par contre, c'est vachement cool parce qu'on est à genre 10 minutes à pied de notre lieu de travail. Donc ça veut dire qu'on ne touche plus à la voiture. Parce que comme ça fera des économies d'essence. Et en plus, ça nous fait marcher, c'est cool. Bon, jour 2, ça s'est très bien passé. J'ai travaillé ce matin de 11h à 16h. Et très très bien passé. Demain, on fait notre dernier jour de formation. On a 2 jours de repos, on a réussi à les avoir ensemble. Et puis, notre patron nous a donné une rallonge plus grande pour pouvoir brancher le frigo tout le temps et le mettre dans la tente parce que là il était dehors. Là je vais aller voir à l'accueil pour lui dire quand est-ce qu'on paye et quand est-ce qu'on part. Voilà, donc j'ai réussi à voir avec le patron pour qu'on parte un peu avant fin août pour pouvoir se préparer aux études. Voilà, bon, à tout à l'heure. Il est 22h30 et je suis encore au travail, alors je devais venir à 21h, mais bon. La fille qui était avec moi est partie. Et mon patron est en train de chanter, donc j'attends. Voilà. Voilà, il est 1h du matin et on va chez la sœur à Brandon parce que Marion s'est fait une grosse coupure au doigt. Est-ce qu'on est content? Oui. Youpi. Voilà. C'est pas beau, c'est dégueulasse, ça me dégoûte. Voilà le pansement de la muerte. Merci Domi. Et merci mon cœur de m'avoir emmené. Parce que bon, il est un peu 1h30 et commence à 10h demain.